Sont faites de choix. Pour ma part, j'ai choisi l'impossible. J'ai fondé une cité d'exception où les artistes ne craindraient plus les foudres des censeurs, une cité où les grands ne seraient plus humiliés par les petits, une cité où les scientifiques ne seraient plus inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Et c'est pour ça que j'ai fondé... Cependant, ma cité a été trahie par la vermine. Et je vous pose la question sans détour, mon ami. Si votre vie était dans la balance, seriez-vous prêt à envoyer à la mort des innocents? Accepteriez-vous d'y laisser votre humanité? Nous faisons tous des choix. Mais, en définitive, ce sont ces choix... Eh ben dis donc, si avec ça, on n'est pas directement plongé dans l'ambiance, dans l'immersion de la chose, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Alors bonjour à tous, c'est Hooper, et donc vous l'avez compris, aujourd'hui, vidéo exceptionnelle pour jeu exceptionnel. Enfin, je ne sais pas si la vidéo sera exceptionnelle, mais je l'espère, parce que franchement, BioShock le mérite. Donc il est sorti en août 2007 sur PC et sur Xbox 360, et un petit peu plus d'un an plus tard sur PlayStation 3. À l'époque, j'avais eu la chance et le bonheur de pouvoir le faire sur PC, parce que j'avais un bon PC, un très bon PC d'ailleurs, j'avais pratiquement mis les options à fond, et clairement c'était déjà une baffe totale. Là, je le refais sur 360, histoire de vous en faire une vidéo. Je l'ai fini, donc je l'aurais fini deux fois, sur PC et sur 360. Évidemment, BioShock, c'est un jeu à part. Tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui l'ont fini, vous le diront. J'imagine que vous devez le connaître quand même. C'est un jeu qui a eu un buzz monumental. La critique, tout comme les joueurs, ont été unanimes avec ce BioShock. Je dirais que c'est un incontournable depuis 2007. Beaucoup disent que c'est l'un des meilleurs RPG jamais créés. RPG. C'est ça commence là. Pourquoi j'ai dit RPG? Attendez, je réfléchis.
On va essayer de comprendre pourquoi j'ai dit RPG plutôt que FPS. Attendez, je réfléchis. Pourquoi j'ai dit que c'est l'un des meilleurs RPG? Ouais. Je pense que c'est parce que j'ai tellement aimé ce jeu. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même tout un côté RPG. Là, j'essaye de m'en sortir par une petite pirouette, hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté RPG dans BioShock, donc on pourrait dire que c'est un RPG. Donc en fait, le Hooper avait raison. Non, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit RPG. Allez, hop, nouvelle partie. Hop, j'espère que vous allez bien y voir. Oui, on laisse en moyen. Parce que BioShock est un jeu qui est très, 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 très sombre. J'ai déjà augmenté la luminosité dans mon logiciel de capture pour que vous puissiez bien y voir. J'espère que ça suffira, mais c'est vrai que BioShock est un jeu très 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 sombre. De toute façon, on verra bien. En même temps que je regarde ma télé, je regarderai un petit peu l'écran de capture, voyons. Ah putain, c'est sombre quand même, hein. Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Alors ça, c'est un moment rarissime parce qu'on entend le héros, donc le personnage que l'on va incarner, Jack, parler. Je crois que c'est la seule fois dans tout le jeu, je dis bien dans tout le jeu, où on entend notre personnage parler. Donc après, c'est le syndrome Gordon Freeman, hein. Mais au moins Jack, on l'aura entendu une fois. Gordon Freeman, si je me trompe pas, on l'entend pas une seule fois. Là, je viens de donner un pet dans le micro, mais c'est pas grave. Mais putain, voilà, il est tombé maintenant! Enculé de micro de merde. Attendez, je le remets. Faut vraiment que j'achète un nouveau micro. Oh là là là, vous verrez la gueule de celui-là. C'est vrai que je l'ai acheté à 2 euros. 2 euros ce micro, ça y est, tu te remets, est-ce que tu tiens bon là? Merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, voilà, donc que le héros parle et c'est extrêmement rare qu'il parle. D'ailleurs, je crois que c'est la seule fois, comme je vais de vous le dire. Donc vous l'avez compris, on était dans un avion. L'avion s'est crashé. Et là, eh bien, on était tout simplement bouche bée. Parce que là, en fait, on s'attend, en 2007, je le rappelle, on s'attend à ce que ce soit une cinématique. Mais non, en fait, on se rend compte qu'on peut bouger ici. Ça y est. Donc en fait, notre avion s'est crashé, enfin plutôt s'est abîmé. Parce que quand un avion se crache en mer, on dit que c'est abîmé. J'ai toujours trouvé cette appellation complètement débile, quoi. Il s'est abîmé en mer. Quand on entend ça y est, au 20h, l'avion, le 747 au vol de machin, s'est abîmé dans l'océan Pacifique. Il s'est abîmé. Non, il s'est crashé, il s'est explosé, oui. Il s'est démonté la gueule. Il s'est abîmé. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Mais c'est comme ça qu'il faut dire abîmé. C'est assez étonnant, hein. Quand un avion se crache en pleine mer, il faut dire abîmé. Donc apparemment, on est le seul survivant. Regardez, on peut voir un petit peu la carlingue en feu, hein, qui s'est embrasée. C'est assez énorme. Et regardez-moi les effets. L'eau déjà qui est magnifique. Mais c'est surtout les reflets, quoi. Regardez-moi ça. En plus, il y a deux reflets. Il y a le reflet des flammes, magnifique, mais également une espèce de reflet bleuté, là, comme vous le voyez. En fait, c'est le reflet de la lune là-bas. Même si là, on la voit très mal parce qu'elle est cachée par l'entrée de la cité sous-marine de Rapture. Et là, j'ai envie de dire applaudissements. C'est juste magnifique. Donc, en fait, ce machin-là, on dirait une espèce de... Comme je viens de vous dire, c'est l'entrée de Rapture. C'est, on dirait, une espèce d'obélisque, hein, à la 2001. Hein. Un obélisque géant. Ça, c'est la queue de l'avion. La queue de l'avion, d'ailleurs, que l'on revoit un petit peu plus tard dans le jeu, mais je pense pas qu'on aura le temps d'y aller, parce que là je vous montre seulement le début, parce que je trouve que le début est juste phénoménal, quoi. C'est franchement, voilà, c'est Lost. En plus, ça fait beau, je dis c'est Lost, mais vous savez que la comparaison est bien trouvée, parce qu'il y a beaucoup plus de similitudes à Lost que seulement ce crash d'avion où on est le seul survivant et où on va devoir aller ici, parce que ben, on est simplement obligé d'aller là, évidemment. Si j'essaye de nager un petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est que ça? Si j'essaye de nager un petit peu plus loin, on va être bloqué très vite. Hein. Voilà, je vais là. On va voir. Peut-être que là, je suis bloqué d'ailleurs, voyons. Ah non, non, je peux y aller quand même. Oh là là, on peut aller plus loin que ce que je pensais. Ah, ça y est, je crois. Ouais, ça y est, je suis bloqué. On est bloqué, voilà. Donc, évidemment, on est forcément obligé d'aller là. Peut-être, je me demande si on peut passer par la gauche. J'étais jamais allé par la gauche. Regardez-moi ça, regardez-moi la lune. Même la lune, pourtant ce passage-là, c'est seulement le début, c'est seulement un passage que l'on voit une fois dans le jeu. Je suis sûr qu'il y a même des joueurs qui n'ont même pas fait attention à cette lune. Ils ont même fait l'effort, les développeurs, donc d'Irrational Games, à faire des nuages qui passent devant. C'est quand même assez...
C'est fort, quoi. Voilà, c'est fort. L'eau, c'était vraiment bluffant, quoi. C'était ça qui était très, très impressionnant. Bon, évidemment, le jeu a un petit peu vieilli techniquement. Hein. Regardez-moi ces reflets sur le rocher. C'est. Putain, sérieux, quoi. Oh là là là. Putain, même là, on est en 2010 et moi, je trouve ça encore très, très joli. Ouais, donc je vous montre juste le début parce que je trouve ça tout simplement magnifique. Pour moi, c'est clairement l'un des plus grands moments du jeu quand on découvre en fait, voilà, quand on va découvrir pour la première fois cette cité sous-marine de Rapture, c'est clairement l'un des plus grands moments du jeu. Et après, on prendra une sauvegarde bien plus avancée histoire tout de même de vous montrer les différentes armes, les pouvoirs et compagnie. Et franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. J'adore l'intro du livre. Moi, franchement, je m'en lasse pas, voyez, je m'en lasse pas. C'est une intro que j'avais bien dû faire peut-être 5 ou 6 fois à l'époque dans la version PC parce que je trouvais ça énorme, quoi. C'est la découverte là, on entre, on se demande ce qui se passe, tout est fermé, la porte se ferme, toute seule, les lumières s'allument, et là, boum, on est accueilli par un portrait d'un personnage dont on ignore le nom, No God or Kings, Only Men. Et là forcément on se dit, mais qu'est-ce que c'est, what the fuck, où est-ce qu'on est tombé, c'est pas un phare comme les autres ici. Il est chelou ce phare! Voilà, c'est énorme. Évidemment, j'imagine que je ne vous apprends pas grand chose. Je dirais là, on est rendu plus de 3 ans après la sortie du jeu. J'imagine que vous avez déjà joué à ce jeu. Si vous n'y avez pas joué, coupez la vidéo, bien sûr. Coupez la vidéo, allez y jouer. Moi, je vais rien dire de plus intéressant. Je suis pas plus malin que les autres. Je vais rien dire de plus intéressant que tout ce qui a été dit sur ce jeu depuis 3 ans, hein. Rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. BioShock, quoi. BioShock. Qu'est-ce que c'est, BioShock? D'abord, c'est un univers. C'est un univers ultra travaillé, avec une patte spécifique. C'est un univers unique à ce jeu-là. Le boulot fourni est phénoménal. Le background du jeu est génialissime. Le design, il est énorme. Le level design, c'est la folie. Parce que c'est un labyrinthe, C'est pas du Call of Duty, c'est pas un couloir, pas du tout. L'ambiance, c'est un truc de psychopathe. L'atmosphère qui se dégage du jeu, c'est un truc de oufo. Franchement, tous les superlatifs sont bons. La bande-son, c'est quasiment le perfect. Le gameplay, là encore, oublié Call of Duty, c'est pas du boom-boom. C'est beaucoup plus intelligent. Même si BioShock est un FPS, il se joue intelligemment. Voilà, la réalisation à sa sortie en 2007, c'était une baffe. Aujourd'hui, c'est un poil vieilli sur quelques petits détails comme les textures un petit peu floutées, ce genre de choses, mais ça reste très, 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 très joli. Le scénario, il est très intéressant, il est profond, il est mature, la narration est adulte. Voilà, moi, je ne sais que dire. Je me tais et je vous laisse apprécier. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture, une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les crozos m'arrivent. C'est énorme, non? C'est pas moi, je trouve ça énorme, franchement. C'est du Jules Verne, quoi. C'est 20 milieux sous les mers. Moi, j'adore, quoi. C'est vrai, c'est un bouquin, de toute façon, ce jeu. C'est un bouquin de science-fiction. Faut savoir que l'action se passe. Regarde, on le voit avec toutes les pubs, c'est très spécial. L'action se passe en 1960. Donc, la ville, en fait, a été créée après la Seconde Guerre mondiale par un milliardaire, Andrew Ryan, qui voulait une cité utopique. C'est-à-dire qu'en fait, il a embauché, il a fait venir tous les meilleurs scientifiques du monde, des chercheurs et tout ça. Et en fait, comme il vient de l'expliquer, de toute façon, il ne voulait leur imposer aucune censure parce qu'il n'aimait pas le monde réel avec ses lois, avec ses règles. C'est pour ça qu'il a fondé Rapture, comme il vient de l'expliquer. Et donc, mais forcément, comment dire, un environnement où il y a des humains sans règles, sans loi ni rien... Ça se finit forcément par le chaos. C'est inéluctable. Moi,
C'est ce que je pense en tout cas, parce que l'humain est complètement con, l'humain est complètement abruti, l'humain ne pense qu'à lui, on pense qu'à nous. Donc forcément on en veut toujours plus. Et le problème c'est que ces scientifiques, ils ont trouvé une sorte de drogue qui s'appelle l'Adam. Et ça a tout fait foirer parce que tout le monde en voulait, les gens sont devenus fous, il y a eu une guerre civile. Et du coup en fait tout le monde s'est un petit peu métamorphosé, en, pas des monstres, mais en fait ils préféraient devenir des sortes de monstres et acquérir des pouvoirs, donc des pouvoirs qui leur étaient octroyés grâce à l'Adam. Et donc en fait ils sont complètement défigurés, là on vient d'en voir un, hein. Et là regardez ça, c'est un perdu. Il essaye de péter la bathysphère, hein. L'espèce de mini sous-marin qui nous a permis de venir ici. D'ailleurs ça m'a beaucoup fait penser à l'intro de Half-Life, hein. Je sais pas vous, mais moi directement c'est Half-Life quand on est dans le tram, sur les rails, que l'on voit tout l'univers de Half-Life, mais qu'on ne peut pas encore l'explorer. Ben c'est un petit peu pareil quand on est dans la bathysphère, faut que je prenne la radio peut-être, quand on est là-dedans, on voit toute la cité de Rapture, mais pour l'instant, on ne peut pas l'explorer. Donc là, vous voyez, en bas à droite, Atlas, ça va être notre compagnon de route. C'est lui, je vous laisse lire, hein. C'est lui en fait qui nous accueille ici, c'est l'une des rares personnes qui n'a pas été, on va dire, contaminée par l'Adam, donc qui est resté normal. Là, en fait, il va nous demander de récupérer sa fille et sa femme, je crois, ou ses filles et sa femme, je ne sais plus, parce qu'on vient d'arriver, que lui, en fait, il est bloqué dans un autre endroit de la cité. Voilà. Mais évidemment, vous vous doutez bien que le scénario est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, qu'il y aura des rebondissements, mais là, bien sûr, je n'en dirai pas plus. Regardez-moi ça, on se met à la vitre, là, on peut regarder, avec un effet de flou. Sérieux, c'est l'immersion, c'est... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Ah oh, putain, là, on est dedans, quoi. On est dedans. Voilà, j'adore, on voit carrément les poissons, c'est... Voilà. Bon, on va s'arrêter là, je pourrais avancer un petit peu, mais je vais quand même vous montrer le gameplay du jeu en profondeur, d'autres choses, donc... étant donné qu'au départ, on ne peut rien faire, le gameplay est totalement bridé, hein, les premières heures de jeu, on s'arrête là. Je vais donc, voilà, charger une partie... On va mettre, voilà, je crois que c'est sa forteresse folâtre, charger, que je mette pas de sauvegarder au moins, non c'est bon, charger c'est ça, voilà, ça devrait être bon. Alors ce qui est excellent aussi avec les temps de chargement, c'est qu'on a seulement, même s'ils sont assez longs, mais on s'en fout, parce qu'en fait on a seulement un temps de chargement qui va charger la zone complète, le niveau complet. Et je peux vous dire que pour parcourir un niveau, je dirais qu'il nous faut bien 2 heures, grosso modo. Ça veut dire qu'une fois que le jeu est chargé, pendant 2 heures, on n'aura aucun temps de chargement. Voilà, on est ici. Et là, pendant 2 heures au moins, le temps que l'on fasse cette section de Rapture, aucun temps de chargement. Donc c'est génial. Si j'en parle, c'est parce que certaines personnes dans certains tests disaient que les temps de chargement étaient longs. Franchement, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé, quoi? What the fuck? Faut arrêter les conneries, franchement, les mecs, là. Oh, 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 faut se calmer. Bon, donc maintenant, on va voir un petit peu le jeu, un petit peu plus en profondeur, au niveau du gameplay. Ok, donc on se retrouve. J'adore les plantages du logiciel de capture. J'adore ça. Surtout quand je continue à parler, vous voyez, pendant 30-40 minutes. Puis à la fin, je m'aperçois que le truc, il a bugué. Donc je me dis, oh non, j'espère que ça a que planté depuis quelques minutes. Bon, alors j'arrête tout, je regarde. Ok, d'accord, ça a planté au bout de 14 minutes. Je suis énervé, attention, j'ai tout pété, là. Oh putain, merde, je suis énervé, attention, voilà, attention, là. Ah non, sérieux, ça, c'est prise de tête, quoi, c'est prise de tête. De toute façon, je crois que mon boîtier d'acquisition a des problèmes, il faut que je le change. Bref, donc là où ça a arrêté, j'expliquais donc que j'allais vous parler du gameplay du jeu. Donc, comme vous l'avez compris, on est dans cette fameuse ville sous-marine. Ici, on est à un niveau beaucoup plus avancé dans le jeu, à peu près la moitié du jeu, mais rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de spoils. Et donc, pour se défaire de tous ces méchants crozomes, ce sont leurs noms, donc c'est en fait tous les habitants de la ville qui sont devenus fous à cause de l'Adam, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a donc accès à 2 catégories d'armes. Les pouvoirs, ce sont donc les plasmides, mais d'abord on va commencer par les armes. Bon, la première arme que l'on va récupérer, c'est la clé anglaise. Et là, ça me fait beaucoup penser, je sais pas vous, hein, mais moi, au pied de biche de Half-Life, une fois de plus. Il manque plus que le bruit, hein. Ding, 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 ding. Bon, là, ça fait un autre bruit. Ils n'ont pas poussé le vis pour faire le même bruit. Mais c'est un petit peu la même chose. Une clé anglaise, quand même,
ma foi, fort utile. Hein. C'est plus efficace que ce qui n'y paraît. Après, on va choper un flingue. Il faut quand même savoir que la plupart des armes ont plusieurs sortes de munitions. Regardez, si je vais avec un coup de la flèche directionnelle vers le haut, j'ai accès aux munitions perforantes. Donc plutôt pour les ennemis qui auront des espèces de carapaces. Qui a dit les protecteurs? Qui a dit les Big Daddy? On les verra plus tard. Je suis dégoûté parce que franchement, tout à l'heure, il y a eu un combat, mais d'anthologie. Avec un protecteur, truc de ouf, qui n'a pas été, voilà, qui n'a pas été capturé, donc on s'en fiche, je vais pas en parler, mais franchement, je suis dégoûté, quoi. Je vous le dis, je suis dégoûté. Hein. Ou alors, donc, des munitions antipersonnelles. Donc, pareil pour la mitraillette, avec deux sortes de munitions. D'ailleurs, là, je vais prendre les munitions classiques. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons accès à l'inévitable shotgun, toujours pareil, avec plusieurs types de munitions. Ah, un espèce de truc assez bizarre. Je sais pas trop ce que c'est, une espèce de lance-flamme, voilà, là je suis en train de projeter de l'azote liquide, mais on peut également faire ça avec du napalm ou de la précipité ionique. Bon, par contre c'est bien, mais alors le temps de changer de munitions, de carburant si on peut dire, putain, ça met plusieurs secondes et c'est très long, hein, donc il faut vraiment prévoir son coup à l'avance avec ce machin-là. Je crois que c'est tout, je vous ai dit toutes les armes. Il m'en manque qu'une seule, vous voyez qu'il reste un slot de libre, c'est pour l'arbalète. Voilà. Et en haut, ah, ça ce n'est pas une arme, c'est l'appareil photo. On peut prendre des photos de tout et n'importe quoi, mais en fait il faut surtout prendre des photos des crozomes, donc des habitants devenus fous, parce qu'en fait ça va nous aider, une fois qu'on aura pris les clichés, ça nous aidera pour connaître leurs points faibles, quel type d'arme il faudra utiliser, quelle munition, et également on leur fera plus de dégâts. Donc c'est très utile de les prendre en photo, mais ça j'essaierai de vous le montrer. Vous avez vu, il y a des affiches partout, il y a de la publicité partout, ça c'est excellent quoi. The Vita Chambers, oui, la Vita Chambre. Alors ça il faudra que je vous en parle, c'est l'un des rares, je trouve, points faibles du jeu. C'est le système, en fait, de checkpoint, de résurrection du jeu. Parce qu'il n'y a aucun game over dans le jeu. Mais ça, on y reviendra. Voilà. Et donc ensuite, la seconde catégorie des armes, ce sont les pouvoirs. Ça s'appelle les plasmides. Qu'il faudra soit découvrir par nous-mêmes, soit acheter grâce à l'addon que l'on découvrira dans le jeu. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Et donc là, j'ai accès à 4 plasmides. La télékinésie, la nuit d'insectes. Donc pour envoyer, en fait, une volée d'abeilles sur un ennemi. C'est assez utile. L'incinération, d'ailleurs je peux vous montrer ici, nous voyons qu'il y a une espèce de flaque d'huile ou de l'essence. Bref, on peut y mettre le feu. Voilà. Donc s'il y a des ennemis pas très loin, ben forcément ils se font également enflammer. Vous avez vu que le feu c'est quand même assez bien géré. Hein. On peut faire brûler des choses. Ici on voit des caisses, mais je pense que si j'y mets le feu, vous voyez, ça s'enflamme véritablement quoi. Il y a des jeux actuels, tu fais ça, il n'y a rien qui s'enflamme. Là il y a tout de même des choses qui s'enflamment. Donc vous voyez, c'est... Déjà, c'est pas révolutionnaire, mais vachement bien foutu. Et l'arc électrique, donc qui envoie un petit rayon d'électricité, ça sert surtout pour paralyser les ennemis. Là, vous voyez que je me suis injecté une seringue parce que je n'avais plus de pouvoir. Regardez en haut à gauche, vous voyez deux barres. Une barre rouge, c'est ma jauge de santé. Parce que oui, c'est BioShock est un jeu plutôt old school. Hein. Ce n'est pas comme Call of Duty ou autre, c'est-à-dire quand on se fait trop toucher, l'écran devient rouge, on crève. Non, non, là on a une véritable barre de vie. Et à côté, vous voyez un chiffre 7, ça veut dire que j'ai accès à 7 trousses de soins que l'on peut utiliser n'importe quand via un simple bouton. Et juste en bas, donc, la jauge bleue, c'est notre jauge de mana, ils appellent ça la jauge de Eve, regardez. Elle diminue à chaque fois que l'on fait une attaque. Et ensuite, hop là, ça consomme une seringue d'Eve. Voilà! Allez, on entre là-dedans, et je crois que je vais me la fermer, parce que là c'est un tout nouveau niveau, hein. Et donc on va faire connaissance avec le maître des lieux. Bienvenue à la forteresse Polar. Inutile de me remercier pour avoir brouillé les transmissions de ces rustres d'Atlas et de Ryan. Laissons-les à leur querelle. L'artiste, oui, l'artiste sait qu'il y a une terre plus riche à la bourrée. Par exemple, je vous mets à l'épreuve, petit papillon, mais j'ai une bonne raison. Je teste tous mes disciples. Certains brillent comme des galaxies, d'autres se brûlent les ailes comme un papillon sur la flamme. Venez, entrez dans ma maison. Voilà, donc lui c'était Monsieur Sanders Cohen,
Donc en fait, c'est le chef de cette zone. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rapture, en fait, ça c'est la carte de la zone. Rapture se dissocie, on va dire, en 8 ou 9 grosses areas différentes. Chaque area, généralement, hein, est gérée, c'est pas trop ça, mais enfin on peut dire ça, est gérée et commandée par un chef. Ici, c'est Sander Cohen. Mais dans les autres zones, ça sera d'autres personnages. Et généralement, ils font office de boss. Voilà. Sauf Sander Cohen, c'est un personnage à part. J'en dis pas plus, hein, mais bon. Regardez déjà. Je peux pas m'extasier tout le temps sur l'aspect graphique du jeu, mais il y a vraiment la direction artistique. Ben, me dites pas quand même qu'on voit ça tous les jours dans tous les jeux. Il y a quelque chose. Et puis, l'ambiance en est 1950 est vraiment super bien retranscrit, quoi. Je sais pas. Moi, je trouve ça génial. Sérieux, je trouve ça génial. En même temps, honnêtement, cette zone-là est l'une de mes préférées du jeu. Donc là, on a un objectif. En appuyant sur la flèche droite, on peut voir. Cohen veut que vous alliez dans le théâtre du hall de la marine, près de l'atrium au niveau supérieur. Donc vous avez vu, il y a également un aspect exploration. Parce que là, je suis en haut, mais si je veux, je peux passer en bas. Voilà, il y a un passage par ici. Ici, là, il y a encore des escaliers. Enfin, c'est plus grand que ce qui n'y paraît, hein. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, je me rends compte, j'ai oublié de vous montrer le dernier de mes pouvoirs actuels, la télékinésie. Et c'est très utile. Ça permet, voilà, par exemple, ici, là, il y a une poubelle. Hop là. Et ouais, je peux carrément la faire léviter devant moi. Et après, je peux l'envoyer. Je peux l'expulser, en fait, avec mon bras. Et je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. On pourrait croire comme ça que ça sert à rien. Mais non. Non seulement. Oh putain, non. Attendez. Oh putain de merde, ah non c'est bon. C'est bon. En fait là je m'étais fait repérer par une alarme, par une caméra. Mais heureusement je me suis éloigné assez vite avant qu'elle donne le signal d'alarme. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la télékinésie, on peut penser que ça sert à rien, mais non, ça sert énormément. Déjà rien que quand on peut prendre des éléments du décor, et ici quand vous avez un corps, d'abord je vais fouiller, même s'il n'y a rien. Hop, on peut carrément prendre les corps. Et je peux vous garantir que rien que de les expulser comme ça sur les ennemis, eh bien déjà, ça leur fait vraiment des dégâts. Ça sert vraiment pas à rien. Donc ça sert beaucoup également à récupérer tous les items qui seront en hauteur et qui sont apparemment inaccessibles. Donc voilà par exemple une caméra. Donc si je me mets dans son rayon, forcément, je vais me faire voir. Et elle va envoyer des espèces de drones volants qui vont m'attaquer. Donc à partir de là, j'ai deux choix. Bon, déjà, si je me mets en dessous, on peut se la jouer à la Metal Gear Solid et ne pas se faire repérer, comme je le fais là. Hein. Faut quand même faire gaffe qu'il n'y ait pas des ennemis qui peuvent arriver, parce que, contrairement à la plupart des FPS, dans Bioshock, des ennemis peuvent arriver n'importe quand, de n'importe où, et j'ai envie d'en dire, ils ont même une espèce de respawn, hein. C'est-à-dire qu'on sera jamais tranquille. Même quand on pense avoir tout clear dans le niveau, non, on peut encore se faire harceler. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, donc faut toujours être aux aguets quand même. Hein. Donc là, j'ai plusieurs choix. Soit je peux carrément détruire cette caméra, ou soit je peux la pirater. Donc la pirater, je fais comme ça. Ici, vous voyez qu'il y a une espèce de jauge au milieu. Ça m'indique en fait la difficulté du piratage. Là, c'est une difficulté moyenne, puisque l'aiguille est au milieu. Si je veux, je peux faire un auto-piratage. Pour ça, il faut récupérer des items dans le jeu qui nous permettent ça. Au maximum, on peut en avoir 5. Ou alors, je peux acheter le piratage, on le voit en bas à droite, pour 83 ou 85 dollars. Là, j'ai tenté de le faire moi-même. En espérant de ne pas me planter. Donc d'abord, on va découvrir toutes les cases. Attendez là. Non, c'est bon. Il y a un passage. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est bon, je vais y arriver. Alors attendez. Donc là, il faut que je vous explique après. On va prendre ça, on va le mettre là. Le but, c'est de faire s'écouler le liquide que vous voyez. Bon, j'aurais pas dû faire ça, ça n'a servi à rien du tout. Parce que de toute façon, je dois en remettre un là. Je dois faire écouler le liquide. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Non! J'ai fait n'importe quoi. Putain. Ah, je vous jure, hein, quand on est abruti. Hein. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc là, c'est bon. Mais j'espère que je vais avoir assez de tuyaux vers le bas pour atteindre la flèche du bas. Bref, il faut réussir à faire s'écouler le liquide. Putain, je crois qu'on va pas... Attendez, ça dépend des cases qu'il y a là. Oh putain de merde. On peut pas. Oh le con. Je suis foutu. Parce que je n'ai pas assez de tuyaux. Il m'en manque que deux. J'ai pas assez en fait de tuyaux verticaux. Vous voyez, comme ceux-là. Pour pouvoir faire aller le fluide jusqu'en bas. Parce que vous voyez que tout en bas, il y a une petite flèche.
mais je vais pas pouvoir y arriver parce qu'il m'en manque. Après, il n'y a que des tuyaux qui sont en fait des tournants, quoi. Donc, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est directement passer par là, par là, par là, par là, par là, et là, j'aurais pu, voilà. Mais évidemment, il faut être très rapide. Je suis dead. Et il faut également ne pas toucher ces espèces de trucs-là qui sont en fait des pièges. Ça va déclencher une alarme. Et d'ailleurs, c'est fini, je ne vais pas y arriver. Voilà, la machine est en court-circuit. Donc, j'ai raté. C'est pas grave, vous savez quoi, on va faire un piratage automatique. Voilà, hop là. Les caméras piratées repèrent les ennemis pour vous et le renvoient des robots de sécurité. Donc ça, c'est assez génial. Maintenant, je peux y aller. Vous voyez, son cône est passé du rouge au vert. Et maintenant, en fait, cette caméra m'appartient. Voilà. Et si elle voit des ennemis, comme il vient de l'indiquer, il enverra des cartouches de sécurité. Alors, vous voyez, là, il y a un distributeur. Il y a énormément de machines dans le jeu en tout genre, de distributeurs. Celui-là, il va nous servir à acheter des trousses de soins ou des munitions de diverses sortes. J'essaierai de vous expliquer par la suite, de vous montrer par la suite les autres machines. Donc là, ça se paye en dollars. Vous voyez à droite, j'ai 286 dollars. Et en fait, ces dollars, on les récupère un petit peu partout. Là, par exemple, là, je récupère des munitions napalm. Là, on est... Attendez. Donc là, il est... Oh putain, alors lui, je l'aime pas. Alors attendez, on va... Lui, je l'aime pas, là. On va se mettre là. C'est des espèces de gros hommes vaudous. Ils sont super chiants. On l'a déjà eu. Oula, attendez, je suis en facile ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Difficulté. Bah non, difficulté moyenne, c'est bon, hein. Ah ouais. Ah bah t'es. Alors, une petite anecdote personnelle. Quand j'ai fait le jeu sur 360, j'ai passé 5 heures en étant comme ça. C'est-à-dire avec le verrouillage affichage en 16/9, alors que moi je joue sur une télé 4 tiers. Hein. Il faut savoir que d'origine, le truc, il est avec. C'est-à-dire qu'en fait, bon là, on le voit pas très bien, mais je vais partir de là pour vous montrer ça un petit peu mieux. Je sais pas, là par exemple, regardez, là. Vous voyez là, eh bien, j'ai fait tout le jeu en fait en étant en mode loop. Donc faites gaffe, si vous avez un écran 4 tiers, ne faites pas comme moi. Et c'est pour ça qu'en fait, je m'étais dit, c'est pas possible, il y a un énorme problème de résolution sur cette version 360, attendez, j'avais l'impression d'être en 640 par 480, voyez. Non mais attendez, je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est pas possible, parce que j'étais comme ça. J'étais pas comme ça, j'étais comme ça. Et je peux vous garantir que jouer comme ça, on s'habitue, mais là, j'avais l'impression... Regardez l'arme, mon arme, on la voit à moitié. Et je vous jure que j'ai joué au moins 5 heures comme ça. Hallucinant. Donc ne faites pas comme moi, faites attention parce que ce machin-là, il est activé d'origine. Hop là, on le met 100. Et j'ai peut-être un petit peu baissé les bruitages, oh quoi que non, c'est bon comme ça. Pour les rendre comme... Putain mais non, mais 15 minutes là que je blablate, allez vite. Et j'ai même pas commencé, alors attendez. Donc j'ai même plus de munitions pour le flingue, alors on prend la mitraillette, on va fouiller tous nos potes. Voilà. Voilà, regardez un peu la gueule qu'ils ont, hein. Voilà, donc là... C'est là qu'on voit que la drogue, c'est pas bien. Hein. La drogue, c'est mal, voyez. Voilà, donc en fait, ils sont devenus comme ça, à cause, entre autres, de la dent, mais également d'un chirurgien esthétique complètement fou, que l'on verra dans le jeu. Tous les personnages du jeu sont complètement déjantés et complètement fous. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le jeu, il y a un aspect exploration, comme ça, voyez, où on peut aller comme ça, où on veut, on peut vraiment explorer. Il n'y a pas une seule pièce. Et donc, il faudra toujours fouiller partout. Voilà. Là, je prends des pellicules pour l'appareil photo. Hop, là, une trousse de soins. Là, il faut regarder partout. Là, dans la caisse enregistreuse, il n'y avait rien du tout. On va en dessous. Non, là, il n'y a rien du tout en dessous. Et donc, en fait, on n'est pas obligé, mais on peut fouiller partout. Et c'est là que moi, j'ai eu un problème avec ce jeu. Parce que je ne peux pas m'empêcher de fouiller partout. Oula, c'est quoi ce bug, là? Je ne peux pas m'empêcher de fouiller partout. Et si on fouille partout... Putain, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le mec, il a carrément été... comment dire... Plâtré, je sais pas. Il a été plâtré. Vivant, hein, probablement. Voilà. Pourquoi vivant? Parce que si je le tape... Et pourquoi on voit... Regardez. Donc, comment on voit que c'est un vrai bonhomme? C'est un petit peu gore, hein. Attention les enfants, BioShock c'est un jeu gore quand même. C'est un jeu, il y a quand même des passages vachement glauques et vachement malsains. Voilà, le bonhomme il était vrai, il a sûrement été pétrifié comme ça. Et après sûrement Sander Cohen ou alors il a donné l'ordre à quelqu'un de le faire. Il a carrément plâtré le bonhomme comme ça.
Ah mais t'es peut-être que là on va avoir des indications. Parce que oui, un autre truc, je suis désolé, je vous montre peu de choses, mais j'ai quand même beaucoup de choses à expliquer et je préfère vous montrer peu de choses et vous en expliquer beaucoup, voyez. Donc ce qu'on a là, je crois que je ne l'avais jamais trouvé pour tout vous dire. Qu'est-ce que c'est? C'est un enregistrement audio, voilà, à l'instar des notes dans les Resident Evil qui nous apprennent un petit peu ce qui s'était passé dans le manoir ou dans le commissariat pour Resident Evil 2. Là c'est pareil sauf que c'est à l'audio. Parce qu'il faut savoir que très 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 peu de choses du scénario vont nous être expliquées. Pratiquement rien. D'ailleurs il n'y a pratiquement aucune cutscene dans le jeu. Il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de cutscene. Donc en fait le scénario, on va devoir l'apprendre par nous-mêmes en trouvant tous ces enregistrements audio. Il y en a beaucoup, il y a peut-être une centaine dans le jeu. Et c'est grâce à ça que l'on va comprendre ce qui s'est passé dans Rapture et que l'on va en apprendre beaucoup plus. Donc là, c'est ce que je vais faire et on va écouter ça tous ensemble. Je veux enlever les oreilles du lapin sauvage par Thunder Cohen. Je veux enlever ses oreilles, mais je ne peux pas sauter. Et quand j'essaye, je ne décolle pas du sol. Ma malédiction éternelle. Je veux enlever les oreilles, mais je ne peux pas. C'est ma malédiction. Je veux enlever les oreilles. Enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez-les, s'il vous plaît. Ouais, bon là donc... J'ai rien compris, je pense que vous aussi. Enfin, tout ce qu'on a compris, c'est qu'il est complètement barjot, quoi. Le Thunder Code, c'est ce que je vous disais, quoi. Il est complètement ouf, quoi. Putain, on voit dehors. Moi, j'adore. Franchement, c'est ouf, quoi. Franchement, c'est ouf, quoi. C'est vraiment tout ce qui est l'esthétique. Voilà, encore une machine. Donc, celle-là, elle sert également pour acheter des munitions, tout simplement. Et on va peut-être en acheter parce que je vois que j'ai aucune pour l'arbalète. Attends, mais je n'ai pas encore l'arbalète, mais c'est pas grave. On le voit tout à l'heure. J'ai acheté un petit truc pour la mitrailleuse. Oh, c'est bon, le reste ça va. Allez, ça ira. Vous voyez qu'on peut également... Oh merde! On peut également la pirater. Alors, regardez, je vais vous montrer un truc, tiens. Puisqu'il veut m'agresser, je prends l'arc électrique. Je vais attendre... Oh putain, il va presque tuer. Je vais attendre qu'il vienne là. Et je vais faire l'électrocution. Ah putain, il doit être en haut, lui. Et bien là. Putain! Oh, attends, d'accord, ok. Alors, la fiasco totale, ça n'a servi à rien. Bon, il commence à me gonfler, donc ce qu'on va faire... Ben, je vais quand même vous montrer quelques plasmines. Donc, pardon, je vais faire la nuit d'insectes. Tiens, c'est marrant. Donc, il est en haut. C'est des gros hommes plafonniers. Ils sont super chiants. Ils ont le pouvoir. Ah, regardez. Enfin, je l'ai pas eu là. Ah, voilà, regardez. C'est fait à moitié à voir, mais il est super résistant. Ok. D'accord. C'est comme si ça n'avait rien fait. Oh là là, il m'a énervé là. Ah, il vient par là. Il vient me tuer. Putain, et ces abeilles là qui m'ont servi presque à rien du tout. Vous voyez, à chaque fois donc que l'on tue quelqu'un, il faut le fouiller, hein. Comme ça on récupère à la fois de l'argent et d'autres choses qui nous permettront à faire d'autres choses. Et notamment là, ce que j'ai récupéré, l'organe, c'est pour... Ah mais t'es sans... Oh putain de merde, je crois... Attendez, il y avait... Oh putain, là-bas. Oh putain de merde, ça y est, j'ai truqué la sécurité. Saleté de caméra pourrie. Alors attendez, ce que je vais faire... Ah putain, je suis dans la merde. Vite, il faut que je trouve en fait le boîtier de contrôle. Mais alors, si je sais pas du tout où il est. Ah, ça peut-être, attendez. Oui, s'il est là, je crois que c'est bon. Désactiver alarme, j'ai eu du bol de le trouver. Voilà. Maintenant, j'ai désactivé les petits robots. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, j'ai activé une caméra de sécurité. Et donc, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des drones volants aériens sont venus m'attaquer. Et ça a duré une minute. Hein. Soit une minute, soit jusqu'à ce qu'on trouve en fait le panneau de sécurité pour désactiver le truc. Et ce qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'on est comme ça, et bien en fait, on peut les pirater. Donc là, je vais faire un auto-piratage, j'ai pas encore envie de me planter, ça me saoule. Regardez, et maintenant, ils sont en fait avec moi. Je les ai reprogrammés, et ils sont dans mon camp. Et ils vont me suivre maintenant. Je peux faire pareil avec l'autre. Hop, auto-piratage. Hop, là, voilà, maintenant, il devient vert. Il est avec moi. Et maintenant, dès que je vais me faire agresser par un crozome, par un ennemi, et bien, ils vont les attaquer. Ça, c'est excellent. Voilà. Et on peut faire pareil pour les tourelles de défense. Bon, écoutez, depuis tout à l'heure, là, je papote, mais on n'a pas du tout avancé dans le scénario. Donc, on va pas explorer. Hein. On va laisser tomber tout ça. Ah, là, il va encore quelque chose. Regardez, c'est encore, hein. Voilà. C'est encore un enregistrement audio. Vous voulez nous enfermer, mon vieux? Ah, mais ça me dérange pas. Avant, je vous appréciais. Je pensais que vous étiez un génie de la musique. Vous savez pourquoi? Parce que vous payez mon loyer, vieille carne. Venez au magasin de disques.
Je vais vous montrer ce que je pense de votre pianotage débile. Voilà, bon, là, je vous avoue que ça nous apprend pas grand-chose, mais c'est pas grave. Donc là, il faut aller par là. Sauf qu'attention, il y a encore une caméra de sécurité. Oui, non, ils sont avec moi. Ils m'ont fait peur, ces saletés de robots. Là-bas, il est là-bas. Ce qu'on va faire... On va la dégommer, tant pis. On va la dégommer. On va attendre que le con s'en aille. Voilà, ça y est, c'est parti. Hop là. Boum ! Dead ! Franchement, j'adore, quoi. C'est vrai, on dirait... Je sais pas... C'est beau, c'est tout ça, la classe. On va fouiller là, on va fouiller là, y'a rien du tout. Y'a peut-être quelque chose à l'intérieur du bar. Non, là y'a rien, là y'a rien. Ah, pomme chips pour se remettre un petit peu de vie, de santé. Cigarette, ça nous enlève de la santé. Parce que fumer, c'est pas bien les enfants. Ça nous enlève de la santé, ça nous augmente notre mana. Voilà, c'est ici qu'il faut aller. Écoutez, je vais essayer de me dépêcher. Voilà, sauf que là, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, hein, je m'en souvenais plus. Voilà, y'a des méchants ennemis qui vont se ramener. Ah putain, j'aurais dû faire autre chose. On va... Une grenade à fragmentation, là, parce qu'on est des fous. C'est quel concile, c'est bon, je les ai eu quand même. J'ai du bol. Je peux aussi me servir de la télékinésie, ça fonctionne bien. Allez, venez, je vous attends. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. Allez, on va fouiller. Vous voyez, on peut prendre plein de trucs. Les chaises, on leur balade dans la gueule, c'est énorme, ça. Allez, donc on monte en haut, on va voir une petite scène avec Sander Cohen. Donc ouais, il est complètement fou, hein, ce Sander Cohen. En fait, il se sert des habitants de la zone comme cobayes pour faire des expériences ou alors pour satisfaire ses pulsions, ses envies personnelles. C'est assez énorme, vous allez voir. Là, il est en train d'obliger en fait un type à jouer du piano. Mais je vous laisse apprécier. Je sais. Pitié. Encore une fois, jeune Fitzpatrick. Non. Cohen, espèce de taré, laissez-moi partir, merde. Lui a carrément explosé la gueule parce que l'autre il s'est rebellé. Voilà, voilà l'ambiance, voilà l'atmosphère de BioShock. Voyez. Et là en fait il va nous demander de prendre un cliché du bonhomme qui est en train de faire du piano et ensuite d'aller. Alors attendez, on va essayer de bien le prendre quand même. Hein. Voilà, ça c'est pas trop mal. Hop, voilà, ça c'est un beau cliché. Et voilà, donc maintenant il nous demande, on va prendre la mitraillette, d'aller le mettre là-bas. Donc là je peux repartir, mais si je veux, je peux explorer les environs. Par exemple là-bas, vous voyez, il y a un plasmide à récupérer, c'est-à-dire un nouveau pouvoir. Donc c'est ce qu'on va faire. Il y a une petite phase de... Regardez là aussi, le mec il a carrément emplâtré dans le truc. Il y a une petite phase de plateforme, là c'est assez rare quand même. Hein. Parce qu'on peut sauter, même si ça sert très peu dans le jeu. Il y a très très peu de phases de dialogue. Attendez, il y avait un truc à récupérer là, non? Ah, je l'ai fait tomber ou quoi? Ou j'ai rêvé? Ou je l'ai fait tomber? Et pas un truc là? Bon, on verra tout à l'heure, c'est pas grave. Hop! Voilà, expert en alarme. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un fortifiant. Donc c'est un plasmide, mais pas un plasmide dont on va se servir avec la main gauche comme arme. Non, c'est un plasmide passif, si on peut dire, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. Là, par exemple, j'ai deux plasmides passifs pour ce type-là. Donc, vous voyez, par exemple, ici, deux plaques de surcharge en moins lors des piratages. Donc, vous avez vu tout à l'heure, quand je me suis planté dans le piratage, j'avais deux plaques, enfin, j'avais beaucoup de plaques qui étaient en fait des pièges. Tous les trucs qui n'étaient pas des tuyaux, c'était en fait des pièges. Bon. Et bien, en fait, si je prends ce fortifiant-là, cette amélioration-là, eh bien, j'aurai, au lieu d'avoir deux pièges, j'aurai deux autres tuyaux. Donc, j'aurai eu deux chances supplémentaires d'avoir un tuyau vertical qu'il me manquait tout à l'heure pour pouvoir atteindre le truc du bas, vous voyez, pour que le liquide puisse s'écouler vers le bas. Voilà à quoi ça sert. Et l'autre, super pirate, voilà, réduit la vitesse du flux lors des piratages. Donc, évidemment, c'est très utile parce que moins le liquide ira vite et plus on aura le temps de faire notre petit chemin pour atteindre l'autre côté du piratage. Vous avez compris le truc.
on va le fouiller. Allez, bon, on va partir. Oulala, là-bas, ouais, il y a encore un. Il y a un gros homme vaudou, je les déteste là parce qu'ils peuvent se téléporter, vous voyez. Regardez, si on, regardez, ils se téléportent directement à la Son Goku. Et après ils réapparaissent, putain, on sait pas trop où. Alors attendez, je vais essayer de me le faire parce que tout à l'heure lui, il m'a bien énervé. Hein. Alors attendez, ce que je vais faire. Donc, chevrotine, on va recharger. On va prendre l'arc électrique. Et on va en fait le prendre à revers dans les coulisses. On va aller voir un petit peu où il se cache. Un petit peu de bol. Oh putain, l'enfoiré! Oh putain, il a dû popper juste là. Il avait dû réapparaître là. Putain, je sais pas où il est. Où est-ce que t'es, espèce d'enfoiré? Je sais qu'il peut popper ici. Bon, tu veux pas te montrer, c'est ça? Bon, il veut pas se montrer, il m'énerve, il est en train de se cacher, tant pis. Ah, t'es là, il y a de quoi récupérer, c'est quoi? Une seringue d'aide. Vous voyez, en haut, j'en avais 7, maintenant, c'est passé à 8. Sachant qu'on peut avoir 9 au maximum. Pareil pour les trousses de soins, c'est 9 maximum. Ah, putain, enfoiré, il a disparu juste devant moi. Oh, c'est bon, il réapparaît, le con. Et voilà le travail, je l'ai. Je récupère quoi? De l'eau distillée, une grenade à fragmentation et un magnifique gâteau à la crème. Putain, ils me font peur, mes robots. Allez, poussez-vous, là! Bref, voilà, vous avez compris le principe, allez. Et vous savez quoi, on est rendu à combien? Presque 30 minutes, 28 minutes, donc je vais manier. Et puis, on va essayer de faire le maximum, en fait, qu'il est possible de faire dans ce niveau. Disons que dans 20 minutes, on arrête. Voilà, donc on va essayer de se manier. Bon, de quoi j'ai oublié de vous parler? Donc, pourquoi je trouve que le gameplay est vraiment bien pensé? Parce qu'en fait, il va falloir, vous avez vu, qu'il faut jongler entre les deux, entre nos plasmides, pour paralyser un ennemi, puis après, on prend une arme... Voilà, c'est ça qui est top. C'est qu'il va falloir réussir à jongler avec les différents plasmides. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. Oh putain, là-bas, il y a deux tourelles de défense, là. C'est pas grave, on s'en moque, on va repartir de là. Et voilà, ça, j'ai bien aimé. D'ailleurs, ça a vraiment été amélioré dans le second épisode des Bioshock. Hein, puisque quand on dirige le protecteur... Bon, je vous spoil pas trop. Quand on dirige le fameux protecteur... On a en fait, il a le bras droit et le bras gauche en même temps. Et on peut tirer. En fait, on peut faire les deux trucs en même temps. Tandis que là, il faut quand même réussir à jongler. Et c'est pas forcément évident, vous voyez, de réussir à prendre comme ça les bons trucs très vite, comme ça. Pareil pour les plasmides, il faut être rapide. Donc c'est pas forcément évident. Donc là, il faut mettre la photo que l'on a prise ici. Il va nous dire que c'est génial. Et maintenant, en fait, il va nous donner l'ordre. Parce qu'on est obligé, sinon on ne pourra pas sortir d'ici. Il va nous demander d'aller traquer et de tuer 3 autres individus qui se trouvent dans cet environnement. Et donc de les immortaliser grâce à une photo. Puis de les mettre ici. Et c'est seulement après qu'on aura fait ça que l'on pourra enfin partir de là. Regardez-moi ça là, l'eau qui ruisselle, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Et il nous a offert un petit cadeau, qui est la dernière arme du jeu. L'arbalète, qui est très puissante. Ça fait un petit peu office de sniper, d'ailleurs, hein, comme vous le voyez. Donc là, il faut passer par là. On va y aller direct. Poseidon. D'ailleurs, on a encore des machines. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, ça, c'est la génothèque. La génothèque permet, en fait, de changer nos plasmides. Parce qu'il faut savoir qu'on ne pourra pas utiliser toutes nos plasmides. On ne peut pas, en fait, avoir... tous nos pouvoirs en même temps. Il faut faire un choix. Là, par exemple, j'en ai 4 sur moi. Au maximum, on pourra en avoir 6. Vous voyez qu'en tout, il y a 6 emplacements. Pareil pour les autres fortifiants passifs. Donc, regardez, par exemple, je prends ici. Voilà. Là, je vois mes 4 plasmides. Nuée d'insectes, incinération, télékinésie, arc électrique. Donc, par exemple, je sais pas si je veux changer... j'en sais rien, moi. Allez, l'arc électrique. Je vois que je peux le changer contre le plasmide gardien, éclat cryogénique, balise de sécurité, arc électrique, enfin, pas arc électrique, parce que c'était celui que j'avais. Par exemple, je vais mettre éclat cryogénique. Voilà, et maintenant, donc, au lieu d'avoir la plasmide arc électrique, j'aurai éclat cryogénique. Donc, on ne peut que le changer quand on sera dans ce genre de machine. Et donc, pareil pour les autres plasmides, donc je vous dis qu'ils sont des fortifiants passifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des attaques, mais ça sert quand même beaucoup. Regardez, là par exemple, je vais en combat. Regardez, ça c'est un plasmide qui réduit tous les dégâts physiques. Celui-là, il augmente la recherche attribuée pour les photos. C'est-à-dire que quand on prend des photos, je vous ai dit qu'on pouvait gagner des choses. Et bien là, on gagnera encore plus de choses. Ou en tout cas, on les gagnera plus rapidement.
si on a ce plasmide-là quand on prendra des photos. Et ici, je vous laisse lire, hein. Étouffe le bruit de vos pas et augmente les dégâts des attaques de mêlée sur des ennemis pris par surprise. Donc j'attaquais avec la clé anglaise qui ne m'auront pas vu. Parce que oui, on peut les attaquer par surprise quand on les prend par l'arrière, quoi. Donc voilà, il faut que j'aille par là, regarder un tout nouvel environnement, totalement cryogénisé. Regardez, en haut, c'est pas mal. Je prends le pouvoir incinération. On voit qu'en haut, il y a une espèce de fille gelée. Et bien, je l'utilise. Et voilà, carrément, le truc, elle se dégèle. Et que, au niveau de la physique, c'est quand même pas mal. C'est pas le top du top, mais c'est quand même pas mal du tout. Ce qui me permet, une fois de plus, de récupérer des items. Franchement, il y a quand même beaucoup de bonnes idées. Donc, le bonhomme, il est là. Il est pas loin. Là, on va voir un petit script. Je ne vais rien pouvoir faire. Il va m'attaquer direct. Hein. Voilà. Ça y est, voilà, je suis bloqué. Enfin, non, il ne m'attaque pas. En fait, je suis pris dans la glace. Voilà. Et il va nous parler, je crois. Je crois que le vieux débris a enfin décidé d'envoyer quelqu'un. Ce scélérat m'a laissé geler ici. J'ai une pose toute choisie pour vous. Alors, vous pouvez voir que les sous-titres ne sont pas en concordance avec les dialogues. Ça, c'est un petit défaut de la VF. C'est pas dramatique, mais il faut le signaler. Donc il est là-bas, je le sais. On va se le faire, on va dire, avec l'arbalète. Hop, peut-être même qu'avec un coup, voilà, il est là. Voyons. Oh, je l'ai tué en un coup. C'est énorme. Bah, évidemment, il faut le savoir. Là, je le savais qu'il était là. Voilà, je l'ai tué. Donc je peux récupérer. Ah, mais t'es, il avait un autre plasmide sur lui. Jetez un froid glacial sur vos ennemis avec le champ cryogénique. C'est un autre plasmide, voilà, que l'on peut décider de placer. Donc voilà un petit peu le jeu. Donc là, comme tout à l'heure, je dois lui prendre une photo. Alors je suis planté de gâchette. Voilà. Et voilà, vous avez à peu près compris le principe du jeu, hein. Donc après, bon, ce que j'ai adoré, je vous l'ai dit, pour moi, le jeu, il a deux gros points forts. Le premier. Oui. C'est son environnement, c'est son univers, son background, son esthétisme, voilà. Tout ce qui est la direction artistique que je trouve que c'est franchement... Voilà, c'est du grand art. C'est vraiment du grand art et c'est réussi. Voilà, tout simplement, c'est réussi. Et le deuxième point fort, je dirais que c'est son gameplay. Attendez, il faut que je revienne là, mais je suis... Ah, voilà, c'est là-bas. Il faut que je revienne, il faut... Oui, non, le second point fort, c'est son gameplay. Alors attention, ça n'a rien à voir avec un gameplay d'un Call of Duty ou d'un Battlefield. C'est beaucoup moins nerveux, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, faut bien choisir les bonnes armes, les bonnes munitions. On peut faire des pièges parce qu'on a des mines de proximité ou d'autres choses. On peut prendre son temps. Mais c'est beaucoup moins nerveux quand on est dans les combats directs. On le sent bien, c'est pas pareil. Bon. Mais, oh putain, regardez-moi ça, c'est un foiré. J'ai essayé de slalomer. Ah, c'est bon, il a disparu. Il va réapparaître derrière moi à tous les coups. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le cryogéniser. Et après, je vais lui mettre un coup de shotgun dans la tête. Allez, viens par là, Satan. Allez. Espèce d'enfoiré. Allez, montre-toi. Mais oui, il est passé. Bon, bah écoutez, je sais pas du tout où il est passé. Ça par contre, ça c'est étonnant parce que généralement quand ils nous voient, ils nous lâchent pas, hein. Sauf quand ils sont à très peu de points de vie. D'ailleurs l'IA est pas trop mal, même si généralement elle est assez basique, c'est-à-dire qu'ils foncent sur nous. Mais quand ils ont peu de points de vie, ils s'enfuient et ils vont en fait à un poste de secours pour se générer, pour se régénérer de là-dedans. Bon bah écoutez, il est parti, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bref, ici on a donc une Vita chambre. Et ça pour moi c'est le gros point faible du jeu. On peut même mettre qu'est-ce que c'est. Voilà, donc je vous laisse lire. Donc en fait, c'est... Dans le jeu, il n'y a pas de game over. On ne peut jamais mourir. Même si on meurt 200 fois, en fait, comment dire, on va ressusciter. On va pas mourir, on va ressusciter. Et donc toujours dans une Vita chambre. Donc, comment dire, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce système. Vous voyez? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne perd rien du tout. On n'a aucune pénalité. C'est-à-dire, là, admettons, je récupère un truc sur un corps. Voilà, je récupère un truc. Je meurs. Voilà, je vais repopper dans cette Vita chambre. Et j'aurai tout de même gardé tous mes items et tout. Et en plus, ils vont me régénérer ma jauge de santé.
Mais c'est encore pire que ça, et ça c'est un gros défaut, surtout quand on a affaire au protecteur, c'est-à-dire au Big Daddy. D'ailleurs, il y en a un qui est pas très loin, on va y aller dessus, peut-être. Tiens, regardez, je l'ai glacé, trop bien fait quand même. Attendez, je vais attendre qu'il m'attaque parce que j'adore ça. Allez, attaque-moi. Allez, viens là. Qu'est-ce qu'il fait? Trop fort, c'est un bug. Attendez, c'est un bug, c'est un bug. C'est un bug, il est coincé. Oh, c'est énorme. Parce qu'en fait, ça, c'est un crozon plafonnier. Et généralement, quand il saute, il s'accroche au plafond. Mais là... Ah, ça y est, peut-être... Attendez, c'est énorme, il est bugué. Ah, ça y est. Ça y est, il a réussi à se débugger. C'est énorme. Il est complètement bugué. Attendez, attendez, on va aller voir ça, c'est marrant, là. Ça arrive, des petits bugs. Ah non, ça y est, il est parti. Ou alors il est en haut. Peut-être qu'il va apparaître pas loin de moi. Enfin, vous avez vu que je l'ai cryogénisé. Ah ben, t'as le voilà, on va se le faire comme ça au moins. Il ne viendra plus nous embêter. Oh putain, j'ai raté. Voilà, quel. C'est. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Oh non! Ah non, c'est bon. Oh putain, il y a même protecteur. Oh, je croyais que je l'avais aggro. Alors, ça, c'est énorme. Donc, dans le jeu, on a également la dent. Donc, la dent, je vous l'ai dit, c'est la drogue. Mais pour nous, pour notre personnage, ça va servir. Comment dire, à acheter en fait d'autres plasmides ou des améliorations, des choses comme ça. C'est une autre sorte de monnaie pour nous. Et donc ça, on les récupère grâce. Attendez, non merde, il m'a vu. Attendez, il faut que je m'éloigne. Non. C'est bon, j'en veux pas à la petite sœur. Bon, en fait, c'est. Il protège, comme son nom l'indique, le protecteur en VO, un Big Daddy, un gros papa, un grand papa. Et en fait, il protège. C'est bon, je suis loin là. Il protège les petites sœurs qui regardaient. Sont en train de récolter en fait la dent des cadavres qui vont être disséminés un petit peu partout dans le jeu, vous voyez, grâce à leur seringue. Et donc lui, forcément, il les protège. Et si on veut réussir à avoir de la dent, la seule solution, c'est de les récupérer sur les fillettes. Après, on a le choix soit de les tuer pour récupérer tout la dent qu'elles ont sur elles, soit d'en récupérer que la moitié, donc du coup de les laisser en vie. Donc ça, après, c'est un choix moral qu'il faudra faire. Mais pour ça, on est obligé de tuer le protecteur qui est avec elle. Regardez-lui, là. Qu'est-ce qu'il me veut? Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Cet enfoiré. Je vais te briser en mille morceaux. Ah non, même pas. Putain, c'est con, ça. Ah putain, pourtant, j'aurais dû le briser, là. Oh là là, il a des points de vie, lui. Il a des points de vie, cette espèce d'enfoiré. Attendez. On va le brûler. Non, le brûler, j'ai dit en bas. Là, on va le laisser agoniser. Ce qui est marrant, c'est quand il y a un bassin assez proche, ils n'hésitent pas à se jeter dedans pour éteindre le feu. Et après, on peut carrément, avec l'arc électrique, on les électrocute dans le bassin. Bon, on va se faire donc le protecteur. Ah merde, la petite fille est partie. Ah non, c'est bon. Mais peut-être qu'elle va partir. Si on reste trop là, vous voyez, là-bas, il y a des espèces de trous là. Et c'est par ces petits passages que les petites filles. Ouais, non, ça y est, il y va. Regardez, on va voir ça. Regardez, je vais vous montrer ça. Voilà. Elle grimpe sur elle. C'est énorme. Et voilà, elle passe dans le trou. Donc maintenant, si je le tue, le protecteur, ben, ça servira à rien. Puisque si je le tue, bon d'accord, je l'aurais tué. Mais la petite fille, je l'aurais pas, vu qu'elle est partie. Donc là, en fait, il faut attendre. Il faut attendre qu'il aille à un autre trou pour qu'il prenne une autre petite fille. Donc on va attendre un petit peu. Ou alors on peut continuer. Donc d'abord, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller poser la photo qu'on avait prise de l'autre là. Ça commence à se mettre en place. Oui. Mais il y aura toujours des incrédules. Vous ne doutez pas de moi, j'espère. Je n'ai jamais supporté les incrédules. Voilà, il nous dit pas grand chose d'intéressant. Maintenant, quand on regarde les objectifs, voilà, il faut aller se faire l'autre. Donc on va se manier, on va faire ça vite fait. Bon bah écoute, ah attendez, quoi que s'il va là, on va se le faire. Juste s'il va là. Ouais, donc je vous disais, ce qui est énervant, avec le système de sauvegarde, en fait de sauvegarde, de semi-checkpoint des Vita Chambres, c'est que les protecteurs, on est censé avoir super peur d'eux. Regardez-moi ça, c'est énorme. Il appelle la petite fille, la fillette. Elle va sortir. En fait, il est en train de lui dire qu'il n'y a aucun danger, même si je suis juste à côté, hein, il ne devrait pas lui dire. Et voilà, hop, il la dépose, c'est énorme. Voilà. Et donc, des protecteurs comme ça, il y en a une bonne quinzaine, une bonne vingtaine dans le jeu, que l'on pourra se faire. Hein. Regardez, si je la braque, là, il n'est pas content.
Voilà, et là, il la protège. Là, il est pas content. Mais pour l'instant, il m'a pas aggro, vous voyez. Il ne m'attaque pas vraiment. Si je m'avance trop, il me donne un petit coup, mais il m'attaque pas totalement. Ils sont seulement agressifs si je commence à l'attaquer. Là, par contre, ouais, là, ça va être une catastrophe. Et donc, je vous disais que j'arrête pas de me couper. Si il me tue, eh bien, en fait, on s'en fout. Regardez, je peux vous montrer, d'ailleurs. Regardez, je vais l'attaquer. Voilà. Maintenant, je vais me laisser faire. Ça y est, maintenant, il m'a aggro, comme on dit dans les MMO. Donc là, il va me démonter. Voilà, ça y est, il m'a tué. Il a pas fallu beaucoup de temps. Ah non, pas encore. Encore un coup, voilà, ça y est. Là, il m'a tué. Mais en fait, je m'en moque. Je m'en moque pourquoi? Parce que regardez. Voilà, je repop dans une Vita chambre. Et je revais juste en bas. Et voilà, le protecteur, il est toujours là. Et en plus, il ne m'a même plus en aggro. Et comme vous pouvez le voir, sa barre de vie a été grignotée par rapport au... je crois que je l'ai mis qu'un seul coup. Voilà. Donc en fait, ça devient extrêmement simple. Je veux dire, tout le challenge du jeu consiste... Enfin, pour moi, ça consiste à réussir à tuer les protecteurs en un seul coup sans utiliser les vita-chambres. Et à cause de ça, il n'y a plus de challenge. Quoi. On a plus l'adrénaline des combats. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, ça, c'est vraiment dommage. Bon, est-ce que la petite sœur est toujours là? Ouais, c'est bon. On va se le faire. Donc... On va jouer au gros marsupilami. Ce qu'on va faire, on va prendre le lance-grenade, mine de proximité. On va les mettre sur un corps. Un corps calciné, allez, on va le mettre là. Une, deux, trois. Ça, c'est pas trop mal. Donc ça, je m'en servirai tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, on va prendre le shotgun avec les chevrotines ioniques, parce que ça, ça fait vraiment mal. Et on va prendre la nuée d'insectes pour... voilà. Voilà, ça c'est pas trop mal. Allez, on y va. C'est parti. Ah, quoique, attendez. Putain, il m'énerve. Oh putain, faire deux coups. Super, j'ai utilisé deux coups pour rien, mais c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. On est prêt. Allez, on est ready. Donc, ce qui est bien en fait avec les chevalières, les chevrotines, les chevalières. Les chevrotines ioniques. Allez, vas-y là. Mais putain, pourquoi ça l'a pas fait? Oh putain, c'est pas possible, quelle malchance. Allez, coup de télékinésie, on se remet de la vie. Faut pas que je le rate là. Il est là. Mais putain, j'y crois pas, je me suis exposé en même temps. Quel manque de chance! Alors, on va lui faire un petit coup d'incinération. Tiens. Oh, il est presque mort, bon c'est facile là quand même. C'est vrai qu'en même temps, plus on avance dans le jeu, t'as vu, ça, il est complètement calciné à cause du feu. Et voilà, et donc là maintenant, la petite fille pleure, hein, forcément, elle est pas... Et là, je voulais s'apprécier parce que c'est énorme, les bruitages et tout, c'est... De toute façon, toute l'ambiance sonore est juste gigantesque dans ce jeu. Là, donc, je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux récolter tout son Adam ou la laisser en vie. Sachant que si on les laisse en vie, on récolte seulement la moitié de la dent, mais on aura tout de même des bonus par la suite. Mais là, je n'en dis pas plus. Là, je vais la sauver. Non. Excellent. Bon, il y avait peut-être un petit peu trop de luminosité là, hein, en étant pleine lumière. Excepte moi, mais je ne tue rien. Toi, tu leur redonnes espoir et je t'en suis reconnaissante. Je t'envoie quelque chose pour te remercier. Ah, mais voilà, tiens, là il y a Tenenbaum qui. Comme vous l'avez entendu, ou plutôt vous l'avez lu en bas, vu que j'ai sauvé assez de petites sœurs, c'est énorme, l'animation, assez de petites sœurs, et bien maintenant je peux aller au jardin des glaneuses et j'aurai donc une récompense. Allez, bon déjà 85$ grâce au Big Daddy, merci mon vieux, mais surtout on va aller directement au jardin des glaneuses. Oh mais t'as, il y en a un autre là. Et là, il est... Non, il est pas avec une petite sœur lui. Ouais. Bon, on va le laisser tranquille. Voilà, donc ça c'est le jardin des glaneuses. Donc déjà on va prendre notre cadeau. Parce qu'on a sauvé beaucoup de petites sœurs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 200 Adam. Oh, le plasmide gardien niveau 2, vous voyez. Et 4 trousses de soins. Et c'est magnifique, je ne m'y attendais pas en plus. Donc hop, c'est nickel. Et là j'ai 540 Adam. Donc voilà donc le jardin des glaneuses qui nous permet d'acheter des nouveaux plasmides ou diverses choses. Regardez par exemple, amélioration de santé. C'est-à-dire que ma barre de santé... va être augmenté. Pareil pour Eve, on va faire ça. Après, on va prendre ta nuée d'insectes numéro 2 ou quoi que. Allez, éclat cryogénique niveau 2. Parce que oui, que ce soit les plasmides ont plusieurs niveaux,
mais également les armes. On pourra améliorer nos armes. Il y a une upgrade d'armes dans le jeu. On va prendre... Il y en a beaucoup quand même, vous voyez. Maître de mêlée... Bon, c'est pas tip-top tout ça. Ah, arc électrique niveau 2 peut-être. Ouais, on va prendre ça. Il nous reste 200. On va prendre un emplacement de plasmide supplémentaire. Voilà, nickel. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais seulement accès à 4 plasmides. Pouvoir, maintenant, j'en ai un cinquième, ouais. Donc, on va le choisir. Ah non, je peux pas choisir, là. Ah, merde, alors. Attendez, va, putain. Ah, absolument qu'il faut... Il doit falloir aller à une génothèque. Ah non, en fait, je l'ai fait, j'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis. Il me reste 100. On va prendre... Allez, la nuée d'insectes niveau 2. Ah, quoique, la rage, c'est pas mal. Je l'ai fait... Ah, j'avais pas encore acheté le pouvoir rage. Il est marrant, le pouvoir rage. C'est... quand on a en fait un groupe de crozomes, on le fait. Et en fait, le bonhomme, comme son nom l'indique, va être enragé. Et du coup, il va attaquer tous ses petits compères qui étaient à côté de lui. C'est pas mal. Mais on va prendre la nuée d'insectes niveau 2. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il me reste plus que 20 à dents. Donc en fait, dans le jeu, la dent, c'est une monnaie. Enfin, pour notre personnage, c'est une monnaie. Mais dans le jeu, c'est une drogue en puissance. Voilà, la génothèque. Donc on va pouvoir... Qu'est-ce que j'avais mis comme... J'avais mis le gardien niveau 2. On va le garder. Comme ça, je pourrais vous le montrer par la suite. Bon, allez, vous savez quoi, il faut se... Est-ce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important? Non. Je vous ai donc parlé d'Evita Chambre. Pour moi, ça, c'est l'un des points faibles du jeu. Ils auraient pas dû mettre ça. Ils auraient dû faire un système classique de checkpoint. Parce que ça, pour moi, ça tue le jeu. Ça tue le challenge du jeu. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énervé. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, comme second point faible, ce que l'on peut dire, c'est vrai que le bestiaire est pas super évolué. C'est-à-dire qu'à part les crozomes et les protecteurs, ben, y a pas grand-chose d'autre. Donc ça m'a... Je trouve ça dommage. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait des choses un petit peu plus élaborées. C'est pas le cas. Je dirais également que les armes sont un petit peu trop classiques. Attendez, je vais quand même voir où est-ce qu'il faut aller. D'accord, pour repartir au Plaza. Donc ça, c'est en bas. On va y aller. Ouais, donc les armes un petit peu trop classiques. C'est-à-dire que moi j'aurais bien aimé avoir des armes un petit peu plus originales. D'ailleurs, tiens, je vous ai pas trop montré celle-là, on va le prendre. Avec le napalm. J'aurais bien aimé avoir des armes un petit peu plus originales. Bon, là c'est pas le cas, c'est pas dramatique non plus. Ah merde, ben, justement, peut-être qu'on peut l'enflammer avec ça. Mais putain, je me cours de gâchette à chaque fois. Voilà, on fait prendre la glace. Ce qui va nous permettre de passer. Si ça veut bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, également le boss de fin et la ferme elle-même qui sont ratés. Pour ma part, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a encore un protecteur là-bas. Est-ce qu'il a... Oh putain. Il y a également un plafonnier. Allez, on va le brûler. Un petit coup de lance-flamme. Ouh, ça c'est efficace contre eux. À mon avis, ils doivent pas trop aimer le feu. Ah bah tiens, je vais également vous montrer le coup des photos. Regardez, je vais le prendre en photo. Et avec du bol, on va voir. Hein. Voilà. Donc là, regardez, la barre de recherche a atteint le maximum. Ça veut dire que je vais gagner quelque chose. Voilà, là j'ai gagné... Voilà, les organes de crozomes plafonniers peuvent être utilisés comme trousse de soins. Vous voyez, je vais reprendre une photo, même si là évidemment ça sert plus à grand chose, mais quand même un petit peu. Vous voyez, j'ai eu un C. La barre de recherche n'est pas mise au maximum, mais comme ça on va pouvoir gagner des choses. Voilà, voilà donc à quoi sert l'appareil photo. Donc allez, viens par là, je t'attends. Oulala, ils sont nombreux là. Bon, on va les fouiller. Alors, cette histoire de fouiller, moi je trouve ça en même temps génial et en même temps extrêmement chiant. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui adore fouiller. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a? C'est fermé là? Putain, c'est pas normal ça. Il y en a encore, je les entends. Oh putain! Ils commencent à m'énerver là tous. Ça y est, c'est fini. Putain, je pensais pas que c'était fermé là. Je pensais que c'était ouvert. Bon, mais c'est pas grave, de toute façon, on va passer par le haut. Mais est-ce que c'est par là au moins qu'il faut que j'aille? Je ne sais pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Manufact. Ah, c'est pour inventer des objets. C'est pour créer des munitions, en fait. Finalement, c'est des munitions plutôt très puissantes, hein, comme les grenades à infrarouge. Vous le voyez, c'est des munitions plus puissantes, en fait, que la normale. Et donc, comment on les crée? Eh bien, c'est justement quand on va fouiller un petit peu partout dans le jeu. On va récupérer, par exemple, là, voyons. Voilà. Deux eaux distillées, et bien les eaux distillées, ça sert. Oh l'enfoiré! Bon, ça m'énerve tout ça. Ça sert, c'est l'un des ingrédients donc qui sert pour créer des items. Voilà. D'ailleurs, je vais acheter, si je le peux,
Est-ce que je peux acheter... Ah voilà, des carreaux piégés. Excellent, parce que ça c'est juste énormissime, les carreaux piégés. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, je pense qu'on va se faire le Big Daddy d'en haut. Comme ça, je pourrais vous montrer ça. S'il est là, hein, s'il n'a pas disparu. Hein. Ça va pas être bien loin. J'ai plus grand chose à dire, donc il est là peut-être. Non, oh putain, là-bas, attention, parce qu'il y a deux tourelles. Non, il est plus là. Mais vous savez quoi, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pirater les tourelles. On va tirer dessus, j'imagine. Non, il ne me tire pas dessus. Bon, ça y est, on va se planquer là. Oh putain, ouf. Alors, oh putain, en plus il y en a deux, donc c'est super rare. Je sais pas si on va avoir le temps de pirater les deux. On va prendre l'incinération. On va se mettre un petit peu. Ah mais non, mais quel con, c'est pas un tir. Mais quel abruti, je voulais prendre l'arc électrique. Mais je l'ai plus. Attendez là. Mais je l'ai plus. Je n'ai plus l'arc électrique. Putain, j'ai dû le changer tout à l'heure quand on était à la génothèque sans faire exprès. Ah putain de merde, mais quel abruti. J'ai plus l'arc électrique, c'est pas grave, on va le cryogéniser alors. Voilà. Maintenant on peut le pirater. Vite. Voilà. On va faire. Oh c'est excellent, j'avais jamais vu ça. Oh c'est énorme. Le souci du détail, vous voyez. Je les ai gelés. Maintenant regardez, je vais sur le truc et carrément le cadran est gelé. Ça je l'avais jamais vu. Ça, c'est, voilà, c'est le souci du détail qui tue. Je veux dire, franchement, c'est pour avoir l'idée de faire ça, déjà, c'est énorme. On va le pirater. Automatique. Hein. Pareil pour celle-là. Automatique. Et maintenant, ces deux tourelles m'appartiennent. Et là, donc, ce qui est top, c'est de réussir à faire entrer un Big Daddy là-dedans. Et comme ça, les tourelles, en fait, vont le canarder. Et moi, je n'aurai rien à faire. Et ça, c'est assez excellentissime. Ouais, je crois que c'est en bas, en plus, qu'il faut aller. Tiens, on a un espèce de flashback là. Donc je peux pas trop vous dévoiler sur l'histoire. Hein. On n'a pas des flashbacks. On n'a pas des sortes d'hallucinations comme ça par hasard. Hein. Ça c'est expliqué dans le scénario. Par contre, où est passé le Big Daddy, il devrait pas être loin là. Il y en a un normalement par ici. Ah mais il m'énerve ces projecteurs là. Il y a carrément des machinations. On peut y jouer pour 10$. Des fois on gagne, des fois on perd. Voyons. Ah, t'as, j'ai gagné. Je sais pas combien j'ai gagné. Oh, sûrement 20 ou 25$, quelque chose comme ça. Ah, le voilà. Le voilà, mais il a pas de petite sœur. Ah si, il en a une. Allez, viens, regardez. Je vais vous montrer. Je vais le faire venir et je vais lui faire le double combo de la mort. C'est-à-dire que non seulement là, avec ça, il va crever. Il va pas comprendre ce que je vais faire. Là. Ah merde, qu'est-ce que je peux plus passer? L'abruti. Est-ce que je pourrais passer en sautant? Allez, je tenterai. Ouais, c'est bon. En sautant. Donc regardez, je vais l'attirer par là. Donc ce que j'ai placé en fait, c'est donc un carreau piégé, vous avez vu. Maintenant ce fil-là, il est électrifié. Si quelqu'un passe le fil, il se fait électrifier et ça fait énormément de dégâts. Donc on va se le faire. On va prendre... Allez, des grenades à fragmentation pour être sûr de pas avoir de problème. Et on va le geler pour avoir le temps. C'est bon, on est prêt. Voilà. Maintenant, on se casse. Il faut se dépêcher. Voilà. Et regardez, les tourelles vont le shooter. Ah putain, je crois que par contre que j'ai pété. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va se la jouer en finesse. On va essayer. Oh putain, le con. On va essayer de passer par là. Oh non! Putain, je suis pas assez rapide. Ah putain, en plus, je me fais toucher moi-même par les tourelles. Ah non, c'est bon, regardez. Vous voyez, il est pas con, il a vu que les tourelles... Oh l'enfoiré, il a vu que les tourelles étaient en train, vous voyez, de le canarder. Donc il va aller tuer les tourelles. Bon, c'est pas grave. Pendant ce temps, on attend de le canarder. Mais quel abruti! Je me suis fait tuer par mes propres grenades parce que j'étais trop près. Mais je suis dégoûté, je joue comme une véritable brelle, sérieux. C'est vraiment naze. En plus, je vois qu'on en est rendu à 56 minutes, là. Plus la vidéo de tout à l'heure, donc je suis obligé de m'arrêter. Putain, je voulais vous montrer d'autres trucs, ça m'énerve! Vous savez quoi, j'ai envie de... Je crois qu'on va faire une coupure. Oh putain, j'ai pas envie de faire de coupure. Non, allez, on continue. Allons, continue, on est des fous. On y va à fond, donc, attendez. Est-ce que je vous ai parlé de tout ce que je voulais? Donc, faut que je reparte où? Qu'est-ce qu'ils veulent? D'où tu sors, toi? Voilà. Il a fait bye-bye. Non, on recommence. J'avais envie de montrer d'autres choses, même si là, je pense qu'honnêtement, vous avez vu le principal. Hein. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter.
On va au moins se finir le Big Daddy et puis continuer un petit peu. Et puis après je crois qu'on s'arrêtera là. A savoir qu'il n'y a pas de multi hein, dans le premier Bioshock. Putain mais quoi, je me suis fait toucher par quoi là? Il n'y avait rien. Ah d'accord. Putain mais j'y crois pas. Il y en avait un qui me suivait depuis tout à l'heure. C'est bon, ça y est, c'est fini. Bon, donc on va au moins finir le Big Daddy. J'espère qu'il a pas enlevé la petite sœur. Évidemment, il est plus là. Ah, quoique, il est mort peut-être. Ah non, il est pas mort. Putain, il est pas mort, je l'avais pas tué. Il doit lui rester... Putain, regardez, regardez, il fume. Oh non, l'enculé. Alors, est-ce qu'il va là? Ah non, c'est bon. Regardez, il fume. Ah nickel, il va appeler une petite sœur, c'est magnifique. On va attendre. Donc on va, pour être certain de l'avoir, on va prendre les, quoi que, ouais, les explosives, on va se le faire. Voilà, on va également le geler, transformer de la vie. Allez, c'est parti. Putain, je joue super mal. Ah mais putain, non! C'est pas possible! Putain, ça me saoule de jouer comme ça. Ouh. Passer cet enfoiré. La moitié Keblo, c'est bon pour moi. Je me suis fait... Oh putain, mais non, mais j'y crois pas. J'ai alerté l'alarme. Il va crever, oui ou non? Ça dit, il est dead. Et moi, j'ai alerté l'alarme. Putain, putain, le con. Et... Alors là, je sais pas du tout par contre où est le boîtier. Putain, faut que j'aille me planquer. Faut que j'aille me cacher, vite. Je sais pas où est le boîtier. Là, ils vont me suivre jusqu'à ce que l'alarme soit finie. Les petits robots. Passer par là, on va essayer de se planquer par là-bas. Ah, t'as est là, j'y crois pas. Ah non, 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 merde, merde, non, ça c'est un poste de soin. Ah la foiré. Saloperie. Tu vas crever, oui. Je l'ai eu là, je crois. C'est bon. Y'a personne qui vient. Oh putain, il y en a encore un autre. Mais c'est pas grave, parce que regardez, l'alarme vient de se finir. Et là, il s'en va. Allez, c'est énorme, il s'en va, il s'en va. L'alarme est finie. Regardez, il s'en va le truc. C'est énorme. Bon, donc je crois que c'est en bas qu'il faut aller. Hop là, on y va. C'est ici. On va avoir une espèce de flashback. Je vous en dis pas plus. Hein. Voilà, on va avoir une espèce de fantôme. Ça, ça sera expliqué par la suite. Putain, en plus, je voulais vous montrer un des moments cultes du jeu, mais clairement, on n'aura pas le temps là. Ça, c'est certain. Hein. Ouais, je sais pas trop comment faire là. Ou alors je continue seulement 10 minutes, je ne sais pas. Comment faire? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon allez, on continue juste un petit peu. Et puis après on s'arrête là. Encore une fois, je ne vous explique pas ces espèces de, d'hallucinations du personnage. Ça serait vraiment... Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de musique? Non, on peut pas. Oui, parce qu'il y a également de la musique des années 50. Ce sont des chansons réelles pour la plupart. Donc ça, encore une fois, c'est énorme quoi. Mais bon, ça je vous laisse faire le jeu. Tiens, encore... un enregistrement audio. Le docteur Tenenbaum m'a promis que ce ne serait pas une grossesse normale. Qu'ils allaient extraire l'embryon une fois que M. Ryan et moi nous aurions... J'avais besoin d'argent. Mais je sais que M. Ryan va le découvrir. Il va savoir que je n'ai pas pris mes précautions. Il va savoir que j'ai vendu le... M. Ryan va être furieux après moi. Vous voyez, c'est assez glauque, encore une fois. C'est quand même un jeu qui est gore, qui est tout de même assez malsain. En plus, la narration est adulte, donc ça n'arrange rien. Alors, regardez ici, là, il y a un coffre, donc on peut le pirater. Je vais essayer de faire une prestation. Oh putain, en plus, la difficulté maximum. Bon, allez, je vais tenter, mais franchement, ça va être aussi pitoyable que tout à l'heure, je le sens. Donc là, il faut vite déjà que je le change. Mais quelle naze. Mais quel abruti. Putain, mais non, non! Là, vite! Je suis totalement bidon. Oh non! Oh non, mais là, j'ai trop honte! J'ai trop honte! Et je le couperai, ce passage! C'était trop pourri! Non! Oh mon dieu! Oh, oh mon dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, attendez, c'est pas possible, je peux pas rester sur une telle défaite, attendez. On retente, donc quand on rate, en fait, on perd des points de vie. Là, d'ailleurs, je n'ai même plus
Je n'ai plus de trousse de soins, de medikit. Bah écoute, on retente. Mais il savait que j'étais nul. C'est possible d'être aussi nul, quoi. Alors. Mais putain, mais il n'y a pas... Ah, voilà. Oh non. Vite. Oui. Merde, 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 vite, faut que je change, là. Mais putain, il n'y a pas ce que je veux. Là. Oh non, putain, trop tard. Mais c'est pas vrai, c'est de la bouse. Comment ça me saoulait, ces conneries. Donc là, vite. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh, je suis dead encore. Parce que là, je peux même pas aller vers le bas. Putain, mais c'est pas possible. Oh, c'est trop honteux. Allez, c'est bon, j'arrête. Laisse tomber, je suis presque mort. Attends, je recommence un dernier coup. Si j'arrive pas, c'est que je suis vraiment le plus naze. C'est le roi des nazes. Alors. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette difficulté de ouf, quoi. Mais non, non, non. J'ai jamais vu, mais franchement, j'ai même plus de vie. Alors, je ne sais pas si on peut mourir à cause de piratage. C'est pas possible, sérieux, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Putain, il n'y a même pas... Voilà, laisse tomber, voilà, encore un échec. Putain, il aurait fallu que je change directement, en fait, celui du haut. Ah non, on ne peut pas mourir. Ah ben ça, c'est excellent, on peut pas mourir. Et ben du coup, vu que là, de toute façon, je suis au minimum de santé... Alors vite, donc là il faut vite que je mette ça. Mais putain! Vous avez vu la vitesse à laquelle le fluide se répand, quoi? Vite. Voilà, ça c'est pas mal. Ça. Espérons qu'il n'y ait pas de truc ici. Oh putain! C'est pas possible! Il y a un piège encore! Oh putain, et en plus, non, qu'est-ce que... Oh non, les alarmes. Je suis dead. Oh, je suis dead. Putain, merde, ça a mis l'alarme. Je suis foutu, j'ai plus de trucs. Comment je vais faire pour m'en sortir? On va faire éclat cryogénique, mais c'est clair que je suis mort. Peut-être qu'ils vont pas venir avec... Oh putain, merde, voilà. Ah putain, mais c'est pas possible. Mais quel fiasco. Mais quelle honte. Je te jure. Allez, laisse tomber. Je vais acheter des medikits. Ça commence à me prendre le chou. On va arrêter cette vidéo. Trousse de soins. Trousse de soins maximum. J'ai plus de pognon, mais je m'en fous. Voilà, donc maintenant... Ah oh, putain, en plus, il faut que je revienne là-bas maintenant. Attendez, c'était par où? C'était par là, au moins? Ouais, c'est par là, c'est bon. C'est pas possible. Donc, allez, on revient. On va vite prendre la photo. On va tuer le bonhomme et on va prendre la photo du truc. Je la mets... sur le portrait, et puis on s'arrêtera là. Donc, pour résumer, ce Bioshock, ça c'est un truc pour acheter des munitions. Je peux y aller par là peut-être. Ah, mais voilà. Oh non, pas. Putain. Ah, putain. Minu, il m'énerve, tous ces gros hommes de. Mais c'est pas possible! C'est pas possible. Bon, ça m'énervait. Allez, on monte là-haut. Si je me souviens bien, en plus, ici, il y a un poste d'amélioration. Oh putain, l'enfoiré, il a placé des pièges. Oh l'enfoiré. On va faire la télékinésie. On va prendre un truc. Il y a bien un truc à choper ici. Là, il y a des trucs, par contre, à prendre. Quoi, je peux rien prendre, là? Ah, voilà. Donc, on va briller les pièges avec ça. Voilà, maintenant je peux passer. Putain, je vous jure, j'ai jamais vu un truc pareil. Ils commencent tous à m'énerver. Je prends la mitraillette, munitions, antipersonnel. Et là, je vous attends. Donc attendez, où est-ce qu'il fallait que j'aille là? Où est-ce qu'il fallait que j'aille? Quoique j'ai plutôt utilisé la télékinésie en fait. Je vais envoyer des trucs dans la tête. Peut-être ton masque, tiens. Je vais t'envoyer ton masque dans la tête, toi. Vous avez vu que c'est assez marrant parce que... Ils se cachent en fait avec des masques, un petit peu comme s'ils avaient honte en fait de ce qui est arrivé. Oh, ça m'énerve. De ce qui est arrivé à leur visage. C'est assez marrant. Hein. Bref, donc où il fallait que j'aille. Je suis totalement perdu. Putain, j'en peux plus. Attendez, je rêve là-haut. Mais j'y crois pas. Putain, j'avais oublié la petite sœur de tout à l'heure. Je rêve. J'avais oublié la petite sœur de tout à l'heure, regardez. Elle est là.
J'avais tué le videur, mais j'avais oublié de sauver la petite sœur. Non, non, non. Quand on sauve une petite sœur, c'est toujours un grand moment. Bon, mais vous savez quoi, je sais même plus où il faut que j'aille. J'ai complètement perdu le fil. Non, voilà, si, si, voilà, c'est là-bas. Bon, c'est à l'étage d'en dessous, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé de ma prestation absolument pitoyable. Je crois que le bonhomme est en bas. Il a dû apparaître. Non, mais il se prend pour qui ? Et il est là. Oh, l'enfoiré, il m'a... Il est en train de me balancer une espèce de cocktail molle. Oh merde, j'ai touché, je crois. Oh non! Oh non! Mais non! C'est pas possible! J'en ai touché! Je suis dead. Putain de merde, c'est pas possible. Ah oh là là là, comment je vais faire pour m'en sortir? Une. Oh, et en plus, je dois recharger le coup des grenades. Oh putain! Vite, faut que je me planque avec une saleté de pylône. Ah putain, il m'a touché. Vite, glacement. Allez, recharge, recharge, saleté de grenade. On va se planquer par là, on va se planquer par là-bas. Allez, on va attendre qu'ils reviennent. Il est plus là. S'il est là-bas, oh tant pis. Donc il fallait que j'aille, mais c'était de l'autre côté là-bas. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre qu'il m'attaque pas. Oh ça y est, il m'a vu. Allez, on run là-bas. Tant pis. Peut-être qu'avec du bol, il va m'oublier, même si ça m'étonnerait, un protecteur n'oublie jamais. Quoique, il ne vienne pas. Si le voilà. Je pense pas. Mais c'est pas par là. Ah si, si, c'est là. Merde. Mais je suis con, je suis en train de revenir là, alors qu'en fait, il faut que j'aille prendre en photo. Oh putain! Prendre en photo l'autre abruti. Mais je sais plus où il est. Putain, mais il est où déjà? Mais où est-ce qu'il était? Où est-ce que je l'ai tué? Où est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'il était mort? C'était pas loin d'ici, je crois. Ah mais non, il était pas mort en fait. Putain, mais c'est pas lui quand même. Oh, je comprends plus rien du tout. Bon, il faut vite que je le tue, lui. J'ai plus le choix. On va prendre des munitions. Voilà, ça, avec des chevaux tignoniques, ça fera l'affaire. Allez, recharge, dépêche-toi. Allez, là, je t'attends. J'ai touché pourtant. Putain, lui, il est balèze. Il est balèze. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, je vais cheater. Quoi, il est encore... Il est déjà là, lui. Putain, mais lui, c'est Terminator, ok. Non, non, non. C'est pas possible, mais laissez-moi passer! Je n'y vois rien, mon dieu, c'est pas par là, c'est de l'autre côté, c'est là-bas. Faut vite que j'aille là-bas, je suis dans la merde, mais dans la merde, mais vraiment. Putain, peut-être qu'il va pas nous suivre si je vais par là. Et l'autre là, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il a lui là? Pourquoi il court devant moi? Peut-être qu'il s'est bloqué, parce que des fois il se bloque. Quoi? C'est pas lui quand même. Putain, je comprends plus rien du tout. C'est pas grave, j'utilise ma cachette personnelle. Bon, lui, on va se le faire. Je sais pas ce qu'il fait là. Il commence à me gonfler. Il faut que je prenne les chevrotines normales. Qu'est-ce que c'est? C'était peut-être lui le boss en fait. Je sais plus. Je n'y comprends plus rien. Je sais pas si c'est lui. On va le suivre. Pourquoi il s'enfuit? Il commence à me gonfler. Arrête de courir! Mais. Tu vas arrêter de courir, oui! C'est pas possible. J'ai jamais vu un tel bordel! Tu vas arrêter, oui. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et on me canarde de... Je l'ai perdu. Non, il est là. Il doit être par là. Et j'ai plus de seringue. C'est pas possible. Mais non. Je commence à être énervé. Je commence à être énervé, mais pas comme peu. Pas comme peu, là. Il a crevé. Ah putain, mais c'était lui. Rustre, mais il était vigoureux. Prenez la photo avant qu'il soit complètement sec.
Putain, c'est pas possible. J'ai jamais vu un truc pareil, je vous jure. Quel bordel. Je pensais qu'il était mort. Non, c'est quoi ça? C'est pas possible. J'ai la malchance, là, il faut vite que j'arrête. Et là, je vais probablement avoir découvert un truc, voilà. Ça veut dire quoi? Dégâts plus pour les crozomes grosses brutes. Ça veut dire que maintenant, je leur ferai plus de dégâts. Comme quoi, prendre des photos, ça sert véritablement. Hein. Bon. En tout cas, bonne nouvelle, c'est que l'autre, il est plus là. Par contre, j'ai plus de seringue d'Ève. Bienvenue à la farandole des prix. Je peux même pas en acheter, là. Ça, où est-ce que ça s'achète, les seringues d'Ève, déjà? Merde, je peux pas en acheter, là. Oh là là, j'ai zéro Ève. J'ai zéro Ève. Ouais, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a un truc de cheater que j'ai découvert moi-même. Hein. C'est ici. Quand on se fait en fait toucher par un protecteur, si on se met là. Attendez, j'en entends un là. Il est là. Il y en a encore un, mais dis-le, il avait beaucoup les protecteurs. Mais je vais pouvoir vous montrer. Bon allez, tant pis, je vous montre. Donc je vais le glacer, vous allez voir. Ah non, je peux pas, putain, mais je n'ai plus d'Ève. Et où est-ce qu'on achète une Ève déjà? Bon là, c'est pas là, c'est sûr. Hein. Putain, mais attendez, mais où est-ce qu'on achète l'Ève? Où est-ce qu'on achète les seringues d'Ève? Bon, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer. Donc, je prends par exemple les trucs bioniques, même si j'en ai que 3. Voilà, et maintenant... Putain, mais... Ok, d'accord. Mais est-ce que tu vas sauter? Mais non, j'y arrive pas! Allez! Mort. Mon dieu, mais c'est pitoyable. Sérieux, j'ai honte, hein. Voilà, et regardez. Donc là, j'ai pop. J'ai Whisper juste à côté. Je ressuscite juste à côté. Voyez, et il ne m'a pas en aggro. Donc je vais pouvoir bien me placer cette fois-ci. C'est ici, en fait, juste derrière la barrière. Putain, mais j'étais arrivé pourtant. Voilà, et là, si je me mets là, il va pas pouvoir me toucher. Je pense. Voilà. Donc ça, je précise quand même que j'ai trouvé tout seul. Hein. C'est pas un truc que j'ai vu sur une vidéo ou je ne sais pas où. Voilà. Et donc là, en fait, il est parti parce que il peut pas m'atteindre. Mais regardez, si je bouge un petit peu vers la gauche, hop, là, il va revenir. Ou pas. Non, je sais pas où il est passé. Pourtant, là normalement, il devrait m'avoir en aggro. Ah mais ça y est, en plus. Putain, mais en plus il m'a touché. Mais putain, oh non, je suis dans la merde là. Je suis tombé. Bon là je suis dead, j'ai même pas d'Ève. Laisse tomber, voilà, je suis mort, je vais crever. Je peux rien faire. C'était une prestation absolument lamentable. Peut-être que si je fuis assez loin, il me trouvera pas. On va se mettre là, tiens. Pff, franchement, c'était pourri quoi, mais alors un truc. Ah, peut-être là, tiens. Peut-être que je peux en acheter là. Bienvenue à la farandole des prix. Oh non, c'est que des pellicules. Je peux pas. Ah, je sais pas. Il y a forcément un nom. Putain, mais qu'est-ce que... Ah, d'accord. C'est forcément... Oh, putain, mais je suis... Oh, lolo, allez, laisse tomber. Bon, vous savez quoi? Je vais juste mettre la photo et puis on s'arrêtera là. J'en peux plus. De toute façon, je suis mort, c'est clair. Tant pis, je voulais vous montrer un truc après. En fait, je voulais vous montrer la fin de Sandel Cohen. Enfin, du moins, le dernier moment. Mais tant pis, comme ça vous le découvrirez par vous-même. Voilà, je mets la troisième photographie. Ah c'est vrai, j'avais complètement oublié de prendre le cadeau de tout à l'heure, tiens. C'est pas grave. On met la photo dans le cadre. Et là en fait, il va nous envoyer toute une armada de crozomes sur une musique classique, sur une valse. Et ça, c'est juste énorme, c'est du grand art, voilà. Mais donc, je vais me la fermer. Bioshock, évidemment, je le conseille à 2000%. Ma vidéo était toute moisie, elle ne rend pas du tout honneur au jeu. C'est la vie, c'est comme ça. Ok, d'accord. Ça, c'était du final! Mais attendez, je peux pas m'arrêter là.